Hey peuple de YouTube, ici Monsieur Zombificateur, on se retrouve pour ce 7e épisode sur Elder Scrolls Skyrim, pour la suite de cette aventure. On va continuer la quête. Dernièrement, nous avons achevé la formation des Grisbarbes, repéré le site d'enterrement du dragon. Voilà, il fallait qu'on batte le dragon, aujourd'hui on va se concentrer sur ça uniquement. On va aller battre le dragon, on va effectuer cette quête, le bosquet de Kino, repérer le site d'enterrement. Donc on va se téléporter, on va faire un voyage rapide autour de Vailhem. Donc c'est parti. Donc niveau 8, je rappelle. J'ai des points que j'ai déjà attribués dernièrement où je me rappelle plus. Comment on fait déjà pour se battre? Voilà, ça c'est courir. Putain, je joue tellement de jeux à la fois en ce moment que... Combien j'ai de flèches moi d'ailleurs? 160 et quelques. Non, 107. Oh putain, il faut que je mette mes lunettes moi. Oh là là, c'est grave. Excusez-moi, je vais mettre mes lunettes. Il faut qu'on descende par ici. Donc là je suis un pro de l'arc, vous en rappelez, hein, vous savez que je trickshot, je one shot, tout ce que vous voulez. Par exemple vous voyez ce petit rat? Hop là, tac, je vous l'ai dit, je les sèche en deux les animaux. J'ai pas eu besoin de me mettre à la première personne, parce que je suis un professionnel. Je vais récupérer ma flèche quand même. Attends, bouge pas, j'aimerais bien récupérer ma flèche. Tu peux arrêter de descendre s'il te plaît? Tu serais très gentil d'arrêter de descendre. Non mais il me cherche là. Ah voilà. Ah je peux pas la récupérer. Tu sais, ça doit faire bizarre pour certains que je mette des lunettes, mais ça m'arrive d'en mettre de temps en temps. J'ai même pas consulté un opticien ou quoi que ce soit, mais on va dire que je m'y suis habitué parce que je vois très mal à une certaine distance quand je suis loin. Je vois très bien de près, mais mon écran est assez loin, on va dire. Il est pas assez grand. Alors qu'il fait au moins 107 le machin. Bon, ok, on est arrivé au bosquet de Kin. En fait, c'était juste un lieu de rencontre. Ah, il attaque ici, d'accord. Je pensais que c'était juste une rencontre. Ok, je pensais que c'était un lieu isolé en fait. En fait, c'est un petit village et apparemment il attaque ici quoi. Alors, si vous voulez mon avis, je vais essayer de me le faire à l'arc. Je vais me faire défoncer à mon avis. C'est quoi cet endroit? Mine de brûle-vapeur. Ok, on monte là. Oh là là, il est énorme! Il est énorme, il est énorme. Là là, c'est The Big Affrontement là. D'accord, en fait c'est le roi des dragons lui, non? Il ranime un dragon. D'accord. Impressionnant. Alors si je l'attaque, je suis mort. Hein. Je sais pas ce qu'il raconte, mais c'est la langue des dragons. Et je peux lui parler là apparemment, il s'en bat les couilles. Et dégage toi. Ok, il va m'attaquer. Allez, c'est parti mes chers amis, c'est l'affrontement. Ouh, c'est un dragon de glace, d'accord. Allez, on envoie, on envoie, on envoie. Elle attaque, elle attaque. Elle attaque. Il tire dans la tête. Oh là là, il est pas loin, il est pas loin, il est pas loin. Ouh, il me glace, il me glace. Attends, il va descendre où là? Il va descendre où là? J'ai eu chaud en face. Hein, il va tirer comme une petite salope de loin. Ça c'est du dragon. Salaud, salaud. On va se le faire à l'arme. Vite, vite, vite. 32. Celle-là. Ah, celle-là. C'est mieux, c'est plus puissant. Toi, tu vas morfler. Toi, tu vas morfler. Je vais le finir avant qu'il s'envole. Voilà, c'est bon, je l'ai fini. Plus de dragon. T'es mort! T'es capote! Alors il a quoi sur lui? Des flèches? Oh, de l'or! Ah, trop de poids! Trop de poids! C'est dommage parce que ça, ça se revend bien. Alors on va tout prendre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter les trucs inutiles. Marteau d'acier, on va le lâcher. Hache de bûcheron, on s'en fout. Valeur 194. Casque de peau, on s'en tape. Voilà, c'est très bien comme ça. Pas trop mal.
Ok, c'est quoi? Ah, il faut parler à elle, d'accord. Donc on a tué le dragon. Qui êtes-vous et que Je voulez-vous? suis l'un des derniers membres de l'armée. Il y a de cela très longtemps, les lames étaient des chasseurs de dragons au service de l'enfant de dragon, le plus grand tueur des dragons. D'accord. Bon, ben voilà, mes chers amis. Alors, il faut que je retrouve Delphine pour une nouvelle quête, apparemment. Alors, excusez-moi, j'ai zappé quelques textes parce que c'était un peu trop long. Ça a duré presque limite un quart d'heure. Enfin, pas un quart d'heure, mais vous m'avez compris. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vendre les trucs inutiles qui me servent plus à rien. J'ai des articles de Je vais lui vendre à elle. je ne prétends pas être la meilleure forgeronne de Blancheray et de Gare. Alors, moi, je vais te vendre. Ok, il lui reste 1048 d'or, donc je peux gagner 1048 d'or en lui vendant quelques trucs. Elle les rachète pas cher, cette connasse. Ouais, on va lui revendre ce bouclier, ce casque, sans déconner, charbon, peau d'ours, chevreuil. Ah, c'est vraiment une radine, moi je te le dis. Il faudrait qu'on puisse acheter une maison et qu'on puisse acheter un coffre aussi, un de ces quatre. Bon voilà mes chers amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu sur Skyrim. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement. Je vous dis salut à tous, peace. Et monsieur, j'ai une question. On peut s'en servir pour donner de l'élan à un pigeon? Pour faire des courses de pigeons en fait. Voilà, c'est ça. Ils crachaient quoi les petits dragons? Ils crachaient de l'eau? Genre, tu as pu prendre la bonne décision quoi. Eh monsieur, je suis en prison là, j'ai rien fait.